Tristan Jablonski, qui présente son projet aujourd'hui au Crayon, le French Woman. Voilà, qui est un vin pétillant sans alcool, mais sans sucre, sans sucre ajouté, l'eau en calorie. Et aujourd'hui, on a deux produits. On a le rosé et le blanc. Donc les deux sont vegan, sans colorant, etc. Ce sont des vrais vins, c'est un vin pétillant. Et qu'on se désalcoolise. Et donc parfait pour les gens enceintes. Très bien pour les femmes enceintes. Pour tous ceux qui cherchent une alternative en réalité à l'alcool, qui ne boivent même pas du tout. Tout en voulant tester et s'aligner sur les gens qui veulent faire la fête ou qui en boivent. C'est ça, l'idée en fait c'est vraiment de réunir les gens ensemble, ceux qui boivent et qui ne veulent pas consommer de l'alcool, mais ils peuvent enfin faire la fête ensemble en fait. Et c'était le plus gros challenge parce que chez French Bloom on réalise que il y a un vrai pilier du bien-être qu'on oublie souvent, c'est le pilier de la sociabilité, de la convivialité. C'est vrai que dans le bien-être, on entend souvent prendre soin de soi, faire attention à soi, et c'est très bien. Mais il faut prendre soin de soi pour être mieux avec les autres. Et en fait, le partage et la convivialité, c'est vraiment important pour notre bien-être. Et on essaie de vraiment chercher ça avec Boom, c'est de réunir les gens ensemble autour d'une belle bouteille. Tous ces gens qui sont de régions différentes, enceintes pas enceintes, des sportifs qui veulent pas boire, voilà. On réunit tout le monde autour de la classe. Que l'on peut retrouver donc au Crayon. Voilà, vous pouvez retrouver ce vin à l'hôtel du Crayon. Mais aussi dans beaucoup de retailers, on est chez Music World Store, on est à la grande épicerie, on est au Galerie Lafayette, au Galerie Couteau, voilà dans plein d'endroits. Et aussi en cocktail apparemment. Et on peut utiliser en cocktail, ça marche très très bien. On en avait un très bon ce soir créé par le barman du Crayon. Oui, c'est vraiment, c'est un goût très plaisant, très accessible. Mais en même temps avec des petites notes parfumées, parce qu'en fait on ajoute des arômes biologiques, ce ne sont que des arômes naturels. Dans le blanc, on retrouve pas mal d'arômes de poire, de fruits à chair blanche, c'est plus gourmand. Et en fait dans le rosé, on va retrouver des arômes de rose, de cerise et un peu de pêche aussi. Alors ça fait peur parce qu'on a l'impression que ça devient du tout, mais pas du tout. C'est pas sucré. C'est vraiment des notes très légères. Et nous confirmons qu'il y a bien des similitudes avec du champagne pour ceux qui voudraient goûter. Et une dernière question, pourquoi du coup ce projet, vous avez souhaité vous associer Pourquoi ce projet tout simplement parce que moi dans mon travail j'avais besoin d'une alternative en fait à l'alcool parce qu'aujourd'hui on a tous des vies à 100 à l'heure, on remplit beaucoup de fonctions, de casquettes, on est maman, amie, collègue de travail, moi dans mon cas maintenant je m'en trouve à beaucoup plus d'événements tous les soirs en semaine avec des déjeuners, et en fait on veut pouvoir célébrer des moments importants tous les jours. Mais on ne veut pas, enfin moi dans mon cas, je n'arrivais pas en fait à boire tous les jours de l'alcool. C'est vraiment de là que ce projet est. Et peut-être donc le début du nouvel ère sans alcool dans les bars parisiens. On espère. Bah, merci Constance. Merci. Bonne route aux belles bouteilles.